On est à n'importe quel moment, nous capables de retourner dans la séance qu'a faite normalement. Eh bien, on a démarré avec Journal 1 pour nous faire connaître d'après pré-alerte 2A. Dans mardi 5 septembre, Haïti qui menacé par cyclone Irma, catégorie 5, passé sous vigilance orange. Il prévoit gros vent, gros la pluie, lendemain montée avec des boulonnaites. Nicole François, c'est l'homme qui dit nous plus sur Cyclone ça. Elle a donné toute information dans la page météo. Nicole, bonsoir. Bonsoir tout le monde, avec un pile quelque temps, nous retrouvons jeudi pour toute dernière information météo, puisque nous connaissons le pays d'Haïti, il y a une bas menace cyclone Irma. Donc nous connaissons exactement qui côté il m'a situé et qui j'en y a évolué et qui position Haïti par rapport à cyclone ça. Ouagan Irma pas suspend pour amplification. Il est intensifié à un ouragan de catégorie 5 pour le moment. Nous cap suivre avec moi avec image satellite qui montre que Jean cyclone li a roulé avec un lit qui bien défini. Pour qu'on y a son ouragan qui a déplacé dans direction ouest avec une vitesse toujours 22 km/h. Pression centrale continue à chuter jusqu'à 937 millibars. Et des chances encore pour les continuer à creuser. Donc pour nous, il y a un cyclone de catégorie 5 renforcé. Donc ça dit qui ça? Pays d'Haïti, par rapport à trajectoire, je nous regarde là, pour qu'on y a, nous pouvons positionner tout pays qui j'en ai pas impacté par cyclone ça. Mais nous capables de suivre avec enveloppe là, côté nous, toute zone, côte nord, voire côte nord-ouest, li en bas impact Irma. Ça veut dire, je nous ai dit depuis à partir de jeudi, cyclone ça vient concerner pays d'Haïti. Pour le moment, c'est zone ça y a qui a en bas condition d'ouragan. À partir de jeudi soir, côté vent yo a soufflé assez fort, c'est des vents qui soufflaient avec une vitesse de 240 km/h. Donc nous ca comprendre c'est des vents dévastateurs qui accompagnaient cyclone ça et quantité la pluie autour yo en pile jusqu'à 400 600 mm la pluie par place de pays d'Haïti, il était en bas menace. C'est peut-être ça, secrétariat cap gérer ça désastre. Mettez colli avec direction protection civile, centre national météorologie d'Haïti pour kembe alerte vigilance niveau orange sous pays en jodiant et qui dit qui ça impact qui va aller de manière forte à modérée au niveau département que nous sommes cités là. Dans condition ça, service national météo, direction protection civile, secrétariat cap gérer ça désastre pays a mandé population pour être vigilant. Continuez de tout message météo n'a diffusé pour dans occasion ça. Vérifiez caille toiture côté où habiter. Si vous êtes dans zone vulnérable, ça veut dire être bon ravine, bon flamand, bon en main, commencez à ranger, préparer pour déplacer. Papier ou gagné, papier terre, baptiste, canne l'école timoun. Tout papier important qu'on gagne, mettez-le dans sachet plastique. Faire provision manger, de l'eau, médicaments, mettez-la caille nous. Et faire message là passer une avec l'autre. Ou même qui gagne parents, familles qui habitent loin, qui dans zone nord là, annoncez que yo gagne menace cyclone pour yo préparer yo et tendez tout conseil autorité alors local yo à ba nous dans occasion ça pour nous capable connait qui gens pour nous comporter. Qui j'en pour nous protéger, pour éviter nous tomber en bas gros malaise cyclone ça capoté, qui c'est inondation, gros fort vent avec la mer qui a vraiment mauvais et qui a poussé de l'eau également rentrer au niveau en dentelle. Donc tout conseil ça yo, si nous mettons en application, ça permet à ce que cyclone en passe et que nous pas côté trop dégâts au niveau paysan pendant jour qu'a venir là qui c'est jeudi avant vendredi. Et entre temps qui j'entends hier sous pays d'Haïti pour après-midi, hein? C'est toujours masse d'air qui était instable, c'est ça nous a regardé avec image vapeur d'eau là sur toute région qui permet à ce qu'il y ait quelques activités là puis avec quelques coups de l'orage qui a tombé pour après-midi et à soir sur quelques départements. Température là
pas encore chuté réellement. Sa température qui était assez haute jusqu'à 36 degrés Celsius au niveau département. Donc, à soir, n'a pas encore une nuit qui assez chaud. Au niveau capital, là, c'est encore un temps instable. Il y a des choses pour le développement, la pluie avec quelques l'orage et température à tout également été très haut jusqu'à 35 degrés Celsius au niveau capital. Là. Donc, c'est dans fin la nuit, n'a pas dormi avec un temps qui réellement frais au niveau Port-au-Prince avec Tizone qui sous côté lui. Par rapport à la condition maritime, dans le continent paysan, vague monte très très haut. C'est ça, nous les rôles cycloniques. Donc, c'est des grosses vagues qui partent à l'avant cyclone qui rendent que le continent là est réellement agité pour aujourd'hui. Et demain, son meilleur cap pratiquement côté ou pas capable de naviguer sur les. Donc, c'est pour ça que je pense que d'ici demain, c'est maintenant qu'on met interdiction au niveau continent pays d'Haïti. Mais pour le golfe de la Gonave avec Côte Sud, c'est encore un petit peu agité, mais ce n'est pas trop par rapport à. Côte-Nolan réellement qui commençait vraiment mauvais depuis après-midi jusqu'à ce que le cyclone lui arrive et lui traverse le pays sur le côte qui en vigilance, qui en interdiction. Et avant nous aller dans la page astronomique, le soleil lui couché à soir à 6h59 et la pluie demain matin à 6h35. C'est un réel plaisir pour nous être ensemble pour toute information météo. Merci un peu pour attention. Nous passez une excellente soirée et très bientôt, nous apportons pour encore toutes les nouvelles informations. N'a prêté sous même lancer pour nous faire connaître les amis téléspectateurs. J'ai été annoncé dans Grand Titio. Eh bien, président République, Jovenel Moïse, visité mardi 5 septembre, centre opération urgence nationale Lancoun. Objectif visite là, c'était pour vérifier ensemble dispositions qui prend dans le cas de passage ouragan Irma sous PIA. Et puis, porter soutien par le personnel qui travaille dans le centre opération urgence là. Chef l'État promet la porter soutien tout en matière. Matériel by Saint-Lin. En suivant extrait dans le micro, Roosevelt Desrosiers avec Gardens Chéri. Nous connaissons le pays pour le frapper par un cyclone qui était catégorie 4, qui passe à catégorie 5. Ça veut dire son cyclone qui a venu avec des vents qui dépassaient 200 km à l'heure. Et la, son cyclone qui a venu avec pile la pluie. Et il y a 5 départements dans le pays. Nous parlons de départements. Centre département Tibonite, département nord-ouest, nord-nord-est, qui va prendre en pile la pluie. Tout l'autre département, il a touché tout, par la pluie qui va tomber. Mais nous passons là, nous sommes Koun, c'est-à-dire c'est centre d'urgence nationale pays. Nous là pour nous dire population, que premièrement nous avec lui, nous travaillons pour que c'est sous prévention que nous faisons. Là, nous avons des instructions formelles à. Ministre intérieur, j'aime te faire le matin avec le premier ministre avant le conseil du gouvernement, même te voulais assurer ça que te dit, c'est eux qui fait. Et je trouve à yeux, moi, c'est ça qui a fait. Gagne un camion qui est disponible qui pourrait porter produits hygiéniques, produits alimentaires sous 9 départements pays. Ça veut dire qu'on là pour le recevoir. Mais l'autre 9 départements qui peuvent recevoir, mais départements qui ont plus de problèmes, nous connaissons qui peuvent toucher plus, il y a pour recevoir plus de produits pour au moins 72 premières heures, l'État qui a intervenu pour compter. Et puis, nous fait connaître le gouvernement en place là, décrété alerte rouge sous tout département PIA à partir de demain mercredi 6 septembre là, pendant passage cyclone Irma sous Haïti jeudi 7 septembre Cap Vinila. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine fait connaître 5 départements dans Grand Nord qui risquaient frapper pendant passage cyclone Irma. D'après chef gouvernement, 100 opérations urgence nationale déjà mobilisées, 18 000 agents protection et puis préparé 793 abris provisoires pour recevoir sinistrés. De l'autre côté, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a annoncé à partir de demain mercredi 6 septembre, l'école ferme sous tout territoire PIA en prévision à passage Irma sous pays d'Haïti. Jacques Guy Lafontaine au micro Paki Sainte-Croix avec Garden Saché. Situation ça, ben, un pile tête chargée. C'est un cyclone catégorie 5 à gros vent. Gros vent
qui allait jusqu'à 275 km/h, mais qui déplaçait tout doucement, l'a déplacé à 20 km/h. Il risquait de frapper 5 départements Grand Nord. Département Centre, département Latibonite, département Nord-Est, Nord et Nord-Ouest. Mais tout pays en concerné, parce que nous avons l'appui, nous avons un risque d'inondation. Il y a un pile risque d'inondation à gros dégâts, comme je dis, sous tout département du pays. C'est pour ça que le gouvernement de la République a décidé de lancer le plus gros niveau d'alerte. Alerte rouge à partir de demain, 8h du matin, sous tout pays. Ma propriété encore, c'est peut-être ça. Le gouvernement de la République a décidé de lancer le plus gros niveau d'alerte, qui c'est alerte rouge, à partir de demain, 8h du matin, sous tout étendue territoire national. Qui j'ai le gouvernement pour le travail? Qui est au commandement qui est établi dans la résidence officielle Premier ministre là et sans commandement ça, il va le faire sous direction Premier ministre là. Nous avons un centre d'opération d'urgence nationale qui c'est Koun, bon côté Pali, qui a voyé consigne dans toute collectivité. Délégué a fait coordination action dans le département yo avec estricti qui l'a pour ça. Mairie ak kazek yo responsable mener action yo dans commune yo ak dans section communale yo ak support protection civile. Ministère planification a supervisé action ONG yo ak organisme aide yo et kembe contact avec le système humanitaire Nations Unies. Qui ça qui n'a plan action gouvernement? Sensibilisation et communication sous toute qualité média. Si pour la presse, c'est important, en pile pour nous. 793 abris provisoires disponibles sous 7 départements géographiques. 18 000 agents de protection civile à Croix-Rouge à mobiliser. Mobilisation PNH pour aider dans l'évacuation monde et sécurité vie et bien. Matériel et équipement pour faire kirage dans la rivière et puis empêcher l'inondation faite. Mettez toute qualité kit dans le département et dans la commune. De l'eau potable, kit manger, kit médicaments et matériel. Intervention chaque institution l'État selon mission. Je voulais parler de protection civile, de PNH, de l'électricité d'Haïti, ministère santé publique, Semana, FAES, SMCRS et Latrier. N'a toujours été dans le même sujet, ça, ensemble avec ministre intérieur, collectivité territoriale, docteur Max Rudolph Saint-Albin, qui annonçait tout délégué départemental, AZEC, KAZEC, et magistrat, mobilisé pour sensibiliser la population pour déplacer dans une zone à risque. Plus loin, docteur Max Rudolph Saint-Albin mandé population pour être vigilant et puis protéger tout document important yo pendant passage cyclone Irma sous PIA jeudi 6 septembre Cap Vinila. De l'autre côté, ministre intérieur à collectivité territoriale l'a annoncé, yo gagné un montant 350 millions goudes qui déjà disponible pour accompagner collectivité yo. On suit. Cyclone Irma jeudi a côté n'a parlé à l'heure qu'il est passé à catégorie 5 qui donc son cyclone tant que Jean PM dans son dit là qui générait en pile vent qui a guigué vent là-dedans qui a soufflé à plus que 200 km à l'heure et qui parle bail en pile la pluie et qui donc tout
car à cause que l'an mer agité, qu'il y a de gros houles, de gros vagues qui ont monté à combien de mètres. C'est ça qui fait. Nous tous profiter de l'occasion pour nous rappeler que, et ceci, c'est maintenant prendre des dispositions, c'est ça que nous avons décidé en conseil de gouvernement, pour que, pour interdire cabotage, tout bateau sous tout pays, à partir de jeudi à même. Nous avons profité pour nous rappeler que le cyclone a passé à priver sous nous dans la nuit mercredi soir pour jeudi matin. Dernière information que nous avons dit que c'est plutôt jeudi matin que l'a privé. Nous avons expliqué dans quel point que le cyclone est important, que le dangereux, parce que la baille en pile vent avec en pile la pluie. Dans le niveau de tout le pays, la réponse n'a pas le bain à travers délégation. Le premier responsable dans le département, c'est délégué départemental. Qui de concert avec coordonnateur technique départemental DPCO a travaillé en synergie, en symbiose pour porter première réponse. Yo. Nous comprenons bien que délégué a pour travailler tout étroitement avec vice-délégué. Yo. Et en dans collectivité, ou nien, mairie, magistrat, c'est yo qui en charge dans le niveau communio avec des structures protection civile tout qui en dans communio, il y a travail de concert et juste arrivé sous Kazek, Azek à délégué de ville. Yo. Ça, c'est comme ça que commandement hiérarchique là, c'est comme ça que réponse à cyclone Irma, c'est comme ça que Libral fait. On a profité enchaîner ensemble avec ministre planification à coopération externe, maître Aviol Florent, qui fait qu'on a déjà organisé une réunion de travail avec 370 ONG qui ont une reconnaissance légale pour fonctionner sous territoire national. Pour capable coordonner aide et assistance y a poté by sinistré après passage ouragan Irma. Yon extrait dans micro Sainte-Croix Paki ak Gardens Chéri. Ministère planification sous instruction président paysan sous instruction premier ministre déjà chita avec majorité 370 ONG qui que nous reconnaît dans paysan. Nous faisons rencontre ça matin, nous demandons chaque, nous renouveler d'abord confiance gouvernement dans l'ONG ça que nous reconnaissons, que nous conservons reconnaissance. Et nous demandons pour agir sous leadership gouvernement, pour tenir consigne, pour bailler premier ministre, ministre planification, ministre intérieur, délégué départemental, toute information que vous gagnez par rapport à stock produit de toutes sortes qui prennent au service de la population. Et nous demandons une coordination activité ONG en région suivant principe commandant en chef là qui c'est président PIA et suivant principe commandant gouvernement qui c'est premier ministre. Toujours concernant Irma, ministre éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, qui annonçait l'école a fermé porte pendant 3 jours sur tout territoire pays. Il demandait inspecteur pour protéger toute archive ministère pendant passage cyclone Irma sous plusieurs régions dans le pays. Ministre éducation. Nous-mêmes, dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle, en accord avec le gouvernement, nous décréter 3 jours congé dans toute l'école publique, tant que non publique, à travers tout le pays, pour mercredi, jeudi et vendredi. Dans l'occasion, nous demandons à tout directeur départemental pour prendre bon genre de mesures pour faire décision ça appliquer à travers tout le pays. Et en même temps, tout chef d'établissement, pour ne pas dire directeur de l'école, pour protéger archivio avec matériel l'école. Et puis d'après directeur unité hydrométéorologie d'Haïti, Ronald Semelfort,
Ouragan Irma atteint niveau catégorie 5, dans le moment où il est presque arrivé sous pays. Selon Ronald Semelfort, force vent a déjà atteint rivé 285 km/h. Si toutefois, ouragan Irma l'a toujours, gen même force li gagné. Passage li sous pays d'Haïti capable à cause gros dégâts dans le pays, d'après ça li fait connaît. On suit. Catégorie 5, donc ça veut dire et force vent maximale que le gain la donné, il est évalué à 285 km/h. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup, c'est très très dangereux. Et puis, Irma l'a déplacé à une vitesse 22 km/h. Konya, il a changé de direction, c'est direction ouest, l'a déplacé Konya, dans direction ouest. Donc avant c'était ouest-sud-ouest, Konya c'est direction ouest. Modèle, il prévoit, il pense que d'ici dans les prochaines 24 à 36 heures peut-être, il est capable de changer en l'autre direction encore, il est capable de prendre direction ouest-nord-ouest. Pour le moment, c'est direction ouest à 22 km/h. Côté vitesse ça, vitesse de déplacement ça, il est Kimberly depuis plus de 2 jours. C'est la même vitesse là. Donc, comme on dit nous, et tout rayon jusqu'à présent, c'est nous capables de dire que c'est pratiquement tout pays qui est concerné, mais jusqu'à présent, c'est surtout encore plus le Grand Nord. Mais tout reste département concerné tout. Tout reste département. Donc ça veut dire mobilisation, hein, est censée être valable pour tout département. Vigilance là, est valable pour tout département. Toujours dans ça qui est en ouais avec Irma. En plus, brigadier, il a déjà mobilisé sur tout le territoire national. Là. Direction protection civile, dans tête collée à Konatel, mettait sous pied un plan communication pour qu'une population informée pendant et après passage ouragan Irma, d'après directeur direction protection civile, là, Jerry Chandler. Responsable direction protection civile a mandé population pour respecter toute consigne qui a aidé à protéger la vie pendant l'ouragan. On suit. Direction protection civile dans toutes différentes unités que l'IGN à travers le pays a mobilisé depuis déjà presque 5 jours, toutes différentes composantes, que ce soit au niveau départemental, au niveau communal avec mairie et au niveau local avec CASEC et avec justement équipe intervention. Brigadier volontaire, ils yo tout yo campé et y a pour les messages, y a travaillé avec population pour nous déjà commencer à accompagner dans la communication. Je voulais rassurer toute population en tout que protection civile a pris de camper avec nous pendant le passage cyclone nan, et certainement n'a pas après le passage cyclone nan pour nous capable porter aide et support à la population. Et de manière pratique, nous avons tout un paquet de mesures de préparation que nous prenons. En plus, non seulement de mobiliser les ressources humaines qui sont volontaires, nous certainement travaillons sur ça, nous et les prépositionnements que nous avons parlé de lit en pile et en vent, et là, lit en cours. Donc, nous avons rangé pour nous capables de gagner une série de ressources, une série de biens, une série de matériels qui sont déjà disponibles dans différentes unités, en façon pour nous capables de fournir des réponses rapides. Une fois que justement le cyclone a passé et lorsque le fin passé. Nous avons travaillé tout pour nous capables de gagner des moyens technologiques pour nous capables d'assurer la communication. Là, nous sommes en réunion avec Konatel et avec opérateur téléphone et avec directeur de médias pour nous capables de travailler sous plan communication pendant et après le cyclone. Et nous avons organisé nous en collaboration avec tous différents partenaires. Je parle de radio, je parle d'opérateur téléphonie pour nous capables de gagner les populations informées pendant passage ouragan et même après. M'a profité saluer un gros effort que le ministère a fait à l'interne pour capable doter différentes représentations et production civile de ça nous relais de téléphones satellites. On façon pour si nous jamais nous arrivons dans une situation côté que système traditionnel yota tombé en panne, donc n'a toujours capable de contact avec unité de réponse que nous gagnons sous place. Donc ça encore, ça c'est des exemples de mesures qui prend et qui en cours pour nous capable justement faire face à la réponse là à la population. Nous avons enchaîné ensemble avec député circonscription Mirbalea, Abel Décolline, qui lançait un SOS by gouvernement pour prendre toute disposition dans mettre moyens disponibles dans le département côté ouragan Irma, une possibilité pour passer. Un extrait dans le micro Fidner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous voulons exprimer
préoccupation nous. Préoccupation dans le sens que pays malheureusement déjà à vivre en situation extrêmement difficile. Nous souhaitons que toute disposition prend généralement quelconque en termes de prévention pour éviter si d'aventure ouagan l'ita frappé pays pour permettre à ce que gagnent moins de dégâts, moins de victimes possibles. En ce sens, nous avons lancé appel avec le pouvoir exécutif, avec le gouvernement, pour que yo pas contenté yo comme par le passé dans des effets d'annonce, pour que véritablement gagnent de dispositions qui prend à tous les niveaux. Puisque quand il est question de cyclone, quand il est question de catastrophe naturelle, payant gagnent plus de 500 sections communales, plus de 140 communes, au total 148 communes. Il est vrai que les annonces à travers les médias sont importantes, mais elles sont tout aussi importantes et plus importantes même pour que les autorités locales, qu'il s'agisse de AZEC, de CAZEC, de moun qui dans de l'autre structure, même dans les écoles, même dans les églises, pour que tu aies gagné de contact direct. Et c'est ça que fait nous anticiper cette déclaration par rapport à éventualité pour ouragan t'a frappé des régions dans le pays d'Haïti, puisque selon étudiants gagnent près de 5 départements, y compris le plateau central qui est capable de toucher, pour nous dire d'ici les 24 heures de temps, pour véritablement gouvernement, t'a délégué de moun qui destiné à cette fin, à travers les sections communales, à travers les localités, à travers les communes, mais vraiment dans les zones les plus reculées, pour capable permettre en termes de prévention, mais en termes de matériel qui est susceptible pour utiliser, pour voler au secours de population, pour yota fait ça. Et puis, il y a quelques citoyens qui vivent dans le département nord-ouest qui invitent la population dans le département Silla pour prendre précaution pendant passage cyclone Irma sous pays d'Haïti. Ancien candidat pour député Port-de-Paix, Antonelli Tony Claude François, mandé population nord-ouest là respecter consigne autorité yo, yon façon pour éviter victimes pendant cyclone Irma. On suit. À l'aide là, c'est pour tout grand en général, mais moi-même, j'en dis, en tant que mon gars vivant dans le département nord-ouest, m'en voyez, on a l'aide spéciale pour mon département nord-ouest, mais moi, j'en plus focus sur mon gars vivant la tortue. La tortue, j'en ai aujourd'hui, où on est pour la tortue, c'est la mer pour traverser. Et caille qui fait la tortue, c'est caille qui fait en clé, c'est pour tout. Pas un caille vraiment qui gagne gros béton, t'as qu'à dire, ou pas demander mon à l'abri provisoire dans telle zone. Caillou, c'est avec tolio couvri, et cyclone n'a passé, dans catégorie 5, gros vent qui a vanté ou pas qu'à faire toll confiance dans moment ça. Mathieu nous sommes prenons ça dans grand sud là avec Mathieu qui était 4 nous ça le fait et jodi a Irma 5. Donc m'a mandé mon nord-ouest mon la tortue évacuer quitter zone là respecter consigne autorité yo. Yon nous voyager sous l'autre protéger tête nous pendant que m'a mandé population pour prendre précaution ça m'a mandé l'état parce qu'on est là fin prend inondation ou gain en pile chance pour venir gagner des épidémies, tant que choléra nous pour j'aime finir avec choléra à 100%, zone ça aussi des zones qui vulnérables, ou qu'attendez après ça, choléra pas réenvahir nous encore, moun yo pral vin non situation de précarité qui ka vin plus grave, moun yo déjà pas de ka manger, bon, situation moun yo pral aggraver. Ministère Santé Publique, ou gen jouet nan mon, ministère TPT, c'est pour déblayer, là, ou ya nettoyer et tout égo qui pral boucher, nous gen pile travail nan men nou, là, qu'on y a, c'est l'État qui pou mette tête qu'on ensemble population nous de très vigilant mettre corps veiller corps mais l'état a une grosse responsabilité jodi a dans ça capable fait là en garder comment nous ca sauver vie moun yo épargner moun yo pour Irma pas faire gros dégâts qui annoncé là pour demain pour Pita Pata Patrice. Moment arrivé pour prendre l'autre pause dans le journal les amis téléspectateurs n'a pas vite arrêté branché n'a retourner tout de suite. Nous tendez ça au mandé et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu sans fin payé, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre des data avec des data. C'est Digicel qui va relever illimité sur data avec limite. En effet, nous replan gros avant d'y expirer et piquer de tout ça en fin payé. Pas jamais se perdre encore.
aller sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein de gros par là. Digicel. Oh. Ou ap changer l'huile dans moteur, je dis à c'est jou chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on bal bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois acheter un bon kit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou ap jouer une étiquette jaune à son code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vouer code ou jouer dans 90 sous téléphone Digicel ou bien à com. 3. Ou ap recevoir la boula, un message cap diou, qui cadeau gagne. Tant qu'on minute gratis sous téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour votre camion et jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer Primo, passez dans le bureau mobile qui est sur route aéroport ou bien relé dans 2814-8100. Dans le cas haïtien, passez dans le bureau mobile qui est dans le bonnet du gala ou bien relé dans 2814-8090. Rendez-vous une réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li billet grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Rue Almeri numéro 12. Ou bien relé dans 37 48 02 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Merci parce que nous toujours été branchés information et sur télévision nationale d'Haïti. Journal l'an après poursuivre dans deuxième tranche l'an. N'a démarré pour nous parler diplomatie pour nous faire connaître président République l'an Jovenel Moïse recevoir Joudia non palais national l'aide créance ambassadeur pays El Salvador l'an Oscar Chavez Valiente avec ambassadeur Canada André Frenette. Diplomate El Salvador, Oscar Chavez Valiente, dit qu'il pral collaborer à Haïti dans divers domaines, spécialement dans affaires agriculture. Sous Bopal, André Frenette, qui remplaçait Paula Cadwell Saint-Onge, fait qu'on est immigrant haïtien, yo doit informer sous la loi canadienne avant yo franchi frontière pays Canada. Pendant le rete quoi relation entre Haïti et Canada a renforcé chaque jour pi plus. Diplomate André Frenette tenant micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Le Canada et Haïti ont des relations profondes, fortes et de longue durée. Et donc, moi je suis ici au nom de mon gouvernement pour continuer et en fait bâtir sur cette relation-là. Alors je qualifie la relation comme excellente et je la qualifie comme étant très profonde. Mais qu'est-ce qui peut expliquer du dossier des immigrants haïtiens qui ont traversé la frontière américano-canadienne ces derniers jours? C'est très important, je pense, de comprendre que c'est vrai que le Canada, c'est un pays qui est très ouvert, un pays qui est très ouvert à l'immigration, un pays qui est très ouvert aux réfugiés. C'est important pour notre économie, c'est important pour notre culture et notre société. Mais le Canada, c'est aussi un pays de droit, un pays de règles et de lois. Et donc, c'est très, très important de bien s'informer avant de passer au Canada sur quelles sont les lois qui régissent le système de réfugiés au Canada. Et donc, j'inviterais à tous les Haïtiens qui souhaitent se rendre au Canada d'abord bien s'informer
sur quelles sont les procédures et quelles sont les lois que nous avons au Canada. Et puis, n'a pas poursuivre pour nous faire connaître Jean Tédil dans Grand Titio. Première dame République, là, Martine Moïse, a participé dans le pays Belize, Jodia, à demain mercredi, hein, dans lancement secrétariat réseau, madame chef d'État et chef gouvernement, CARICOM. Pendant participation dans le lancement, si là, première dame République, là, rencontré Première dame République Guyane, Sandra Granger, sous programme prévention contre maladies infantiles avec grossesse en Vanlay. L'autre information à porter pour nous, coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines OMRH, Josué Pierre-Louis, présenté ensemble personnalité qui formait jury qui gagne pour responsabilité pour organiser concours national recrutement interne et externe qui permet 50 filles fitib WOCAD intégrer administration publique là. 2182, c'est quantité candidats qui inscrit sur tout territoire pour participer dans concours là. Coordonnateur OMRH, dans l'occasion, en fait qu'on est, il a transféré dossier yo by membre jury yo pour continuer avec le processus là. Il a extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Watson Labrousse. Le 3 août, le processus de sélection a commencé, le dépôt de candidature et qui finit le 1er septembre et vendredi dernier et que jeudi à mardi, d'accord, nous recevons tout le dossier, notamment dans les villes de province. Dans les délégations, dans les directions départementales de l'éducation nationale et que Joudia nous organise une cérémonie ça pour que nous passions l'ensemble des dossiers, 2182 inscrits sur tout le territoire national au président du jury qui est professeur Alain Gilles et avec tous les autres membres du jury qui composaient des représentants du gouvernement et aussi des représentants des personnalités de la société civile et notamment des entités qui font partie du CESAF, qui est le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, et notamment nous gagnons l'Université d'État d'Haïti, qui fait partie du CESAF, nous gagnons l'OPC, l'Office de la protection du citoyen, et nous gagnons le Forum privé des affaires, et que entité ça a envoyé des membres très reconnu au niveau de la société, donc pour faire partie de ce jury qui va gagner une grande responsabilité, c'est d'organiser ce concours démocratique pour que maintenant, dorénavant, l'intégration dans la fonction publique se fait sur la base du mérite, sur la base du talent. Prochaine étape, c'est que le 7, il y a une note qui pourra être sortie par l'OMH, côté que nous pourrons indiquer matière. Et sur lesquels que l'examen est pour dérouler. Et nous avons examiné les épreuves qui ont déroulé le 16 et le 17. Et après, il y a le processus de correction, processus choix des examens. Donc, tout déroulement processus là, c'est une première étape. Et une fois que le concours a commencé, et à partir de la semaine prochaine, déjà nous allons émettre le avis à candidature pour nous recruter ou l'autre catégorie de jeunes aussi, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes garçons. Des citoyens à mobilité réduite pour faire partie de notre structure qui s'appelle que les UEP, qui sont les unités d'études et de programmation. N'a toujours été dans le sujet ça, pour nous dire l'âge, licence, c'est parmi les critères fondamentaux pour monde qui voulait intégrer fonction publique là. Dans le cadre concours national recrutement, d'après précision président jury Alain Gilles, mardi 5 septembre 2017, là, candidat qui remplit conditions yo, abgain pour subir plusieurs épreuves, droit, économie, gestion, c'est parmi disciplines, épreuves yo, abchita. Yo extrait le micro Rachel Saint-Fort à Quadson Labrousse. Ensemble de critères que nous retrouvons généralement dans tout événement comme ça pour. Il faut avoir de bonnes VMEs, il faut avoir des CVD politiques. Mais deux critères qui particularisent ça, c'est le critère d'âge pour les candidats externes et le critère académique pour avoir une licence délivrée par une université reconnue ou une université étrangère qui est homologuée par Haïti. Il y a une épreuve de culture générale. En général, il y a embrassé un ensemble de questions. Sur les grands débats contemporains, donc il y a des questions qui sont sorties sur, par exemple, c'est
bon pour ma baola, hein, sur le réchauffement climatique, sur les problèmes de genre, hein, qui sont censés être des problèmes contemporains qui concernent nous en Haïti, hein, problèmes de vulnérabilité, donc ça sont pas bon que plus général sur les grands thèmes comme ça. Et bon, ça pourquoi choisir. Ok, c'est pas un mot pour choisir non plus tout, donc ça me doit là par lui dire que des vagues ont décision point sur ça. Ensuite, la sécurité générale. Après le gagnant, on l'autre épreuve. Capcom et Capgain ont ensemble de questions à choix multiples. Mais discipline cap entrée non et pour ça, c'est discipline tant pour droit, tant pour économie, tant pour gestion, tant pour administration, tant pour toute l'autre discipline sciences sociales, plus et statistiques. Et ensuite, à gagner, on demande qu'à fait pour candidat yo rédiger une note de synthèse. Ça, c'est les épreuves écrites. Donc, ça passe l'épreuve écrite yo, pour aller maintenant que vous passez une épreuve orale. Et après les premiers orales, là, il y a des résultats pour connaître qui est-ce qui est admis, qui est-ce qui n'est pas admis. Et puis, quand on a fait qu'on ait une rencontre qui te prévoit en commission Affaires sociales Sénat avec le ministre Affaires sociales AI, Jacques Guy Lafontaine, pas arrivé fait jeudi. Le ministre Lafontaine écrit commission pour informer le gouvernement concentré sur possible passage ouragan Irma sous pays. Président commission Affaires sociales, Antonio Cherami, annoncé la refaire invitation encore parce que vous gagnez plusieurs points et vous devez débattre dans la rencontre. Il y a un extrait dans le micro confident Fidner avec Moïse Wilbich. Ministre a écrit nous matin là pour annoncer nous que le pas venir en parlant de Jacques Guy Lafontaine, ministre AI, Affaires sociales AI, et rencontre ça te deux chita sous qui ça sous contractuel yo même et nous connaît l'école ouvrière qui en difficulté qui te doit toucher jusqu'à présent nous connaît ministre n'en pas là et nous te voulons garder avec qui disposition que lui même lui prend pour accompagner moun sa pour payer moun sa yo nous te voulons garder avec tout de ensemble de promesses qui étaient faites à ouvriers qui étaient dû accompagner pour rentrer l'école là nous devons garder comment et comme c'est lui même qui est ministre des Affaires sociales AI aujourd'hui qui dans qui phase lié est-ce que effectivement l'a pas accompagné moun sa yo est-ce que ont commencé déjà et dans qui point yo nous devons garder tout après rapport CSS là. Nous avons ensemble de appels que nous avons, nous avons ensemble de lettres que nous avons ensemble de et travailler à vous et bah nous différentes institutions côté mon app travaille au mon yo dit yo poko ajuster salaire mais li ba yon raison qui moi estime qui valable raison c'est qui ça li dit que et à cause de cyclone qui a venir li gon ensemble de préoccupations li dit li pas ka venir jodi an nous même j'aime te dire dans toute intervention j'aime toujours dire nous très patient. N'a pas refait invitation. N'a profité enchaîner ensemble avec sénateur Sud-Est Diopi Chérubin qui encourageait le gouvernement Unité lutte contre corruption ULCC ak Palman pour mener une enquête sous dossier parole corruption cap palé dans dossier kit scolaire là. Parlementaire a dit corruption pas capable faite ak yon seul moun. Fok non l'autre monde qui est impliqué dans le dossier rend public. On suit. Il va en secret pour personne monde que le ministre des Affaires sociales, c'est proche sénateur Diopi Chérubin. Proche un groupe, proche sénateur Diopi Chérubin, qui est un groupe sénateur tout, te mettez ensemble nous proposer. Nous endosser responsabilité ça je dis. Pendant que m'a profité pour me dire, côté maman qui te fait, côté papa qui te fait, yo tout allé. Et nous continuons la bataille pour nous gagner l'autre pays. Nous avons tous les citoyens et tout le monde comprend que les citoyens, la ville très courte, elle ne représente rien devant l'avenir de pays. Pour faire pays à bon, pour nous vivre côté nous parler, pour petit nous et petit nous qui vivent dans un pays côté bagaille là. Puis bon, nous avons dit, mes amis, que 1000 ministres périssent, mais que vive le pays. Cependant, pourvu que y a un pile doute qui plane sur ça qui rivait, sous Jean Rivière. Est-ce qu'une administration a gagné corrompu? Est-ce que yon ministre lui-même qui a signé, décaissé, encaissé? Est-ce que pas des signatures qui pourraient bail? Est-ce que pas de l'autre côté où doit aller? Nous dit que il y a un pile doute qui plane et tout le monde qui a fait analyse sérieuse comment se poser tête aux questions sur ce qui a passé. C'est ça que fait je dis
moi-même, sénateur Diopi Chérubin, mandaté du peuple, moi prends décision ça pour dire, nous souhaitons et nous voulons, nous avons exigé que l'ULCC, UCREF, la justice, prennent décision pour diligenter enquête sérieuse. Et cette fois-ci, pas enquête qui va le retenir, tu vois, mais enquête qui va le faire pour faire lumière sur le dossier et que tout le monde qui est impliqué doit paraître devant la justice. Et que procès ça, nous va révéler le procès de l'année, le procès du siècle, peut-être le point de départ de cette nouvelle Haïti tant souhaitée et tant espérée. On va être formal, mais si la fait bien en plus grand nombre, c'est pour accepter le formal, accepter souffrir, mais pour une nouvelle Haïti que tout le monde, d'un commun accord, réclame justice. Moi-même, en tant que sénateur de la République, je vais chercher information et m'a partagé information et m'a pris responsabilité, non pas en tant que proche. On m'a mouru déjà, je souffris et après je finis de souffrir et aller au patounet. Je voulais un nouvel pays, nous voulons un nouvel Haïti, comme président, comme gouvernement, je voulais combattre la corruption. Allons, il faut combattre la corruption, mais seulement pas de complicité en combattant cette corruption. Et puis dans l'idée pour comment institution publique qui concernée dans rentrer l'école en mobilisée, il y a une équipe télévision nationale visitée pendant deuxième journée rentrer l'école là, station bus Dignité yo sous Champ de Mars. Plusieurs élèves qui parlaient dans micro TNH pas de cacher satisfaction yo pour qualité service transport Dignité en Tabayo. Oudli Noël à Quatson Labrousse a dit nous plus. Plusieurs chauffeurs, inspecteurs et moniteurs de transport scolaire Dignité mobilisés pour faciliter le transport élève, Jean-Directeur Romy Alpierre, ont annoncé la émission spéciale Télévision Nationale pour entrer l'école là. Quelques élèves qui bénéficiaient du service de transport Dignité n'ont pas de cacher satisfaction. Je me sens plus en sécurité, je me sens plus à l'aise, parce que là, il y a tout un élève avec tout, je me sens plus confortable. Là, j'ai un avantage dans Dignité à mon compte. Mais quand on fait une économie, si on veut ma 50 gouttes, on peut manger. Si on veut acheter un chambay, on peut acheter un chambay avec un simple chambay. Yon l'autre bord, élèves bénéficiaires yon encourager camarades yon afficher bon comportement pendant toute année académique là. Pas moins de tout, puis on mettait plus de bus, gagne plus de monde, parfois pas, on pas gagne assez de possibilités pour avoir une machine, puis on est capable de jouer. Bus pour faire parcours l'école là et puis pour retourner l'école là. Et à partir de l'élève qui est à côté de moi, pour comprendre, je m'a demandé pour écouter les monitrices et les moniteurs. Puis je marche sous l'autre, puis je fais ça, je demande pour faire, puis je ne fais pas mal de en tant qu'élève de l'école. Pendant la deuxième journée entrée l'école là, il y a environ 12 bus qui sont disponibles dans les stations Champ de Mars là pour assurer le transport élève dans une dizaine de circuits dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, selon quelques responsables qui ne peuvent pas paraître devant la caméra. Rapidement, nous avons une actualité à l'étranger pour nous faire connaître presque 10 jours après le passage de l'ouragan Harvey dans le Texas. Plusieurs cailles à croûte toujours été en bas de l'eau. D'après un dernier bilan, des gaillots dans la ville Texas estimés à 150 milliards de dollars. On suit. Après passage ouragan Harvey dans le Texas, évaluation a commencé mardi 5 septembre 2017 là. 150 milliards de dollars, c'est prix des gaillots. Jusqu'à présent, plusieurs cailles coûtent en bas de l'eau, sans compter plus passer 200 000 cailles qui détruit ou soit endommagé, parmi eux plusieurs milliers sous menace démolition. L'eau qui était dominant caille ça a attiré moustiques et puis favorisé champignons sous mio. The mold inside, that's all gotta go. La moisissure à l'intérieur doit absolument partir. On va croiser les doigts pour que nos compagnies d'assurance nous aident à reconstruire nos maisons. Travail a déjà commencé dans divers cailles qui étaient subi passage d'ouragan ça pour quelques propriétaires. Les tapis bons pour rebâtir au lieu pour réhabiliter caillot, une façon pour effacer souvenir ouragan Harvey. Et puis, ouragan Irma t'a doué frappé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la nuit de mardi 5 pour l'ouvrir mercredi 6 septembre 2017. L'an. Pour qu'il y ait là, plusieurs moun pral obligé quitter Kayo dans la région pour aller dans divers abris autorités mettez à disposition par commune. On suit.
Préparatif yo a poursuivre dans Caraïbes là mardi 5 septembre 2017 là Caraïbes là mobilisé pour contrecarrer impact ouragan Irma. Côté plusieurs monde obligé quitter caillou dans région an, parmi yo monde qui rete bon en main yo. Moun sa yo pral prend refuge dans différents abris autorité yo mette à disposition yo dans zone yo. Vive médicaments, l'eau potable, c'est quelques produits autorité au stocké. Ouragan Irma a frappé spécialement Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, jeudi mardi 5 septembre nan, pour l'ouvrir mercredi 6 septembre 2017 là. Situation ça rend ouverte l'école la fragile d'après prévision yo ouragan Irma ta doit frapper fort. Merci Betty, tout de suite rappel grand titio. Jovenel Moïse visité mardi 5 septembre centre opération urgence nationale Lancoune pour vérifier dispositions qui prennent en cas de passage ouragan Irma sous pays. Haïti sous préalerte 2, vigilance orange. Je prévois gros vent, gros lapli. L'an même monté à déboulonnaïté. À partir de demain mercredi 6 septembre à 8h, Haïti a sous alerte orange d'après autorité gouvernementale. Gagné 793 abris provisoires avec 18 000 agents protection civile qui mobilisés dans le cadre de passage ouragan Irma sous PIA dans fin semaine. L'école a fermé sur titre demain mercredi pour arriver vendredi 8 septembre dans le cadre de passage ouragan Irma d'après ministre éducation nationale et formation professionnelle. Première dame République Lamartine Moïse a participé jeudi à demain dans le lancement secrétariat réseau madame chef l'État et chef gouvernement CARICOM dans le pays Belize. Et puis l'autre bord de l'eau, ouragan Irma doit frapper Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la nuit mardi 5 pour l'ouvrir mercredi 6 septembre 2017 là. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal pour semaine ça. On a remercié toute équipe qui t'a mobilisée pour te rendre possible. Et on a souhaité nous toutes une très bonne fin de soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.